尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家下午好。Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. 今天我们迎来了新馆开放以来第一位来馆讲学的法国学者埃里克·里索教授，同时也迎来了他的新作《秋日雄鹿》。很荣幸在这样一个令人高兴的日子，这次中法交流活动能在湖北省图书馆举行。Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Éric Lisseau et son dernier roman, Un cerf en automne. Il est le premier professeur français à donner une conférence depuis l'installation de la nouvelle bibliothèque provinciale du Hubei. C'est pour moi un grand plaisir que cette activité culturelle, dans le cadre d'échanges sino-français, a lieu à notre bibliothèque. 在此，我谨代表湖北省图书馆向各位嘉宾以及前来参与活动的诸位朋友表示热烈的欢迎。Je tiens à exprimer au nom de la Bibliothèque provinciale du Hubei l'accueil le plus chaleureux à vous et le remerciement le plus sincère au Consulat général de France à Wuhan. 同时，对法国驻武汉总领事馆多年来一直竭力地推动中法文化交流表示衷心的感谢。Je vous remercie aussi au Consulat général de France à Wuhan, qui n'a jamais cessé de promouvoir les échanges culturels sino-français depuis longtemps. 并对《秋日雄鹿》的出版表示祝贺。Et aussi mes meilleurs voeux pour la publication d'un cerf en automne. 埃里克·利索先生作为法国 克莱蒙费朗第二大学教授博士院院长，同时还是一位作家作曲家。他研究的领域涉及音乐学、现代文学、比较文学多个领域。利索教授掌握多国的语言，曾在不同国家的多所大学教授比较文学和法国文学。教学之外，他还不断地发表文章、出版书籍、创作音乐，并曾因其关于比利时文学的研究工作，于2004年2月5日获得外国比利时文学光辉奖。En tant que professeur de littérature comparée, directeur de l'école doctorale à l'université Clermont-Ferrand II, Monsieur Éric Lisseau est écrivain et compositeur. Ses champs de recherche portent sur la musicologie, la littérature moderne et la littérature comparée, etc. Il donne des cours à plusieurs universités et aux différents pays étrangers. Après l'enseignement pédagogique, il publie beaucoup de mémoires, d'œuvres et creux de la musique. Spécialiste réputé de la littérature belge, il a obtenu en 2004 le prix du rayonnement des lettres belges à l'étranger pour l'ensemble de ses œuvres critiques. 今天，利索教授将利用大量的文学和音乐作品，包括他5月14日刚刚出版的新小说《秋日雄鹿》，为大家带来一场关于文学和音乐的讲座。希望通过此次讲座让听众发现和了解丰富多彩的法国文学及其与音乐这一艺术形式之间的关系。 Aujourd'hui, M. Lisseau animera une conférence autour du thème littérature et musique à travers de nombreuses œuvres littéraires et musicales, y compris son dernier roman Un cerf en automne, publié le 14 mai. L'objectif de cette conférenceest de vous faire découvrir la richesse de la littérature française et ses liens avec une autre forme d'art, la musique. 图书馆作为文化荟萃之地，非常高兴能举办这样一场文化交流活动，为读者和作家搭建一个交流的平台。在此，我还要对法国驻武汉总领事馆和埃里克·利索先生表示诚挚的感谢。
La bibliothèque est un endroit où se rencontrent les différentes cultures. Aujourd'hui, l'organisation de cette conférence culturelle est l'activité partagée par la bibliothèque et les lecteurs. Je remercie sincèrement le consulat général de France à Wuhan et M. Luce. 也预祝今天的活动取得圆满成功，谢谢大家。下面有请法国驻武汉领事馆文化专员德一丹女士发言。On change de langue. Bonjour à tous. Je salue déjà notre charmante traductrice Yana pour tout le travail qu'elle a accompli et qu'elle va accomplir cet après-midi. 好。现在我们来换一种语言发言大家下午好，我是法国驻武汉总领事馆的文化专员德一丹。首先很感谢今天为我们做翻译的周雅娜女士。Merci à tous, merci sincèrement au nom de l'ambassade de France, mais aussi du consulat général de France à Wuhan, d'avoir suivi le mouvement cet après-midi et de nous avoir rejoints.Dans ce magnifique auditorium de la bibliothèque provinciale de Wuhan. 很感谢大家今天的到来，也感谢所有的湖北省图书馆以及武汉领事馆的工作人员，能够促成今天下午这一场非常精彩的活动。Avant tout, je tiens à saluer l'ensemble des personnes sans qui nous n'aurions pu tenir cet après-midi ensemble.Bien évidemment, la direction de la bibliothèque provinciale du Roubaix, mais également les professeurs avec qui nous travaillons tout au long de l'année. Je veux bien sûr remercier M. Wu ainsi que Mme Jiang pour leur collaboration à cet événement. Et un grand merci tout particulier à notre conférencier, M. Luce, qui nous a fait le plaisir de donner de son temps.Pour vous faire un magnifique exposé cet après-midi. 首先，我要感谢一些人，因为没有这些人的努力，今天下午就不会有这样一场精彩的讲座。首先，我要感谢湖北省图书馆的馆长以及武汉大学的吴宏淼教授，还有所有在领事馆工作的人员，还有来自武汉大学文学院的张教授。最后还要感谢今天做讲座的利索先生，如果没有他能够抽时间给我们大家做讲座的话，我们就没有办法聆听一场来自法国的精彩的讲座。Je remercie tous les étudiants, tous les professeurs et tous les lecteurs qui sont venus nombreux cet après-midi. Nous nous attendions pas à autant de public et cela nous touche beaucoup.也很感谢今天到场的所有的来自学校、大学以及广大的社会读者对我们今天举办活动的支持，谢谢。Alors, il était normal que nous investissions ce nouveau lieu de la culture et de la langue, qui témoigne à lui seul du dynamisme de cette zone de Wuchang, qui accueille déjà tous les étudiants, tous les enseignants, le monde éducatif et universitaire si célèbre.À Wuhan. 今天我们也借用这个湖北省图书馆的新地址然后来欢迎来自武汉所有的高校的学生、教师以及从事教育的工作人员。Et cette magnifique bibliothèque ici située dans le quartier de Wuchang témoigne du dynamisme et de l'évolution que crée ce nouveau contexte à fort potentiel économique, mais aussi à fortpotentiel culturel qu'est la ville de Wuhan. 也很感谢这一次这个新的图书馆的地址能够加强经济文化之间的合作。Alors nous souhaitions laisser une trace de cet après-midi très particulière en offrant un fonds documentaire à la bibliothèque qui puisse s'adresser au plus large public sans barrière de langue.Nous avons donc demandé à nos professeurs associés à cette manifestation de sélectionner des ouvrages en français, en chinois, mais aussi en anglais, donc sur la base de traductions de qualité, une sélection d'ouvrages qui puissent représenter l'ensemble, si on peut dire, de l'œuvre littéraire française, qu'elle soit classique ou contemporaine.
今天下午也会有一个图书赠书活动，这是为了给广大的读者提供更多来自国外语言的一种文学享受。然后今天下午之后，我们会有一个赠书仪式，这些书是由我们的外国教授，今天的主讲人绿色先生，还有来自武汉大学的教授为大家选的一些图书。Je vais donc demander à Sandrine et à Monsieur Liu de venir sur la scène pour la remise donc de la dizaine d'ouvrages que nous souhaitions offrir cet après-midi au fonds documentaire de la bibliothèque. 好，现在我们欢迎文化专员桑德纳女士来给湖北省图书馆进行赠书仪式。这是一个收藏证书。Donc pour ceux qui seraient intéressés, vous pourrez piocher à l'intérieur de cette sélection des classiques tels que Proust, mais aussi des choses plus contemporaines, Marguerite Duras, etc. Je vous engage tous à venir nombreux à la bibliothèque les consulter, bien sûr. 如果对这些书有感兴趣的读者，可以在图书馆内去查询这些书，比如说有普鲁斯特的一些作品。Et nous ne pouvions laisser M. Luceux sans laisser lui-même sa trace ici, qui de toute façon sera dans tous les esprits, bien sûr. Donc nous avons réservé un ouvrage, le dernier livre de M. Luceux, que nous allons dédicacer à l'attention toute particulière de la direction de la bibliothèque. Merci. 现在由利索先生为他最新出版的小说《秋日雄鹿题词》，这本书也是要当作赠书送给湖北省图书馆。Une seule page n'y suffira pas. 一页可能不够写。献给我亲爱的中国朋友以及湖北省图书馆的读者们。Donc je vais laisser la parole à Monsieur Luceux pour sa conférence. Une fois de plus, je le remercie.Qui d'autre qu'un écrivain, un auteur, un professeur pouvait nous parler de ces deux champs artistiques et créatifs si riches, inépuisables ? Donc nous allons voir avec vous entendre aussi de magnifiques morceaux de musique pour mieux nous faire sentir, percevoir aussi comment la musique et la littérature peuvent se nourrir ensemble et participer à l'acte de création, nous raconter bien sûr des histoires.Monsieur Luceux, à vous la parole et encore merci. 现在有请利索教授为我们做讲座，同时我也要感谢在音乐和文学领域做出了很多贡献的研究学者。然后在这个讲座当中，我们也会听到一些音乐的片段。好，现在大家欢迎利索教授做讲座。你好。我爱武汉。我爱武汉。Je voudrais, avant de commencer, remercier toutes les personnes qui me font l'honneur de m'inviter dans ce lieu magnifique et vous tous qui avez la gentillesse de venir écouter les quelques mots, j'exagère un peu, les quelques mots que je vais vous adresser dans un instant. 首先，我很荣幸能够被邀请来给大家做一场讲座。然后我要感谢在场的所有的听众以及读者，还有为这次活动做出贡献的人。好，谢谢。Bien, je commence. La littérature se livre en musique ou le pendule de Mozart. 今天讲座的主题是文学和音乐的关系。讲座的题目是文学、音乐的文学、文学的音乐，或者是另外一个题目，莫扎特百。Si j'ai pris la liberté de paraphraser un titre d'Umberto Eco, c'est simplement pour vous montrer comment la littérature et la musique se sont nourries mutuellement. Pas simplement une aspiration du côté de la musique ou du côté de la littérature, mais une sorte de ballet, comme ça, un mouvement de pendule qui passe d'un genre à l'autre. Et je vais essayer d'illustrer aujourd'hui ce mouvement, d'abord par un certain nombre d'œuvres,de la littérature mondiale, peut-être plus particulièrement la littérature européenne, et puis ensuite, en vous parlant de ma propre expérience. 首先，借用20世纪意大利作家安伯特·艾科的一部作品《
福柯柏这个名字，我将为大家介绍一种类似于摆锤的往返运动。由于诗歌和戏剧过于的复杂，我将仅仅在小说范围内来跟大家讲述文学是如何受音乐的滋养，以及音乐又是如何从文学作品中获得灵感的。在跟大家分享我的个人经历之前，我将借用几个例子来说明文学和音乐是如何结合起来的。Alors, entre littérature et musique, l'histoire est très ancienne et au XVIIIe siècle, par exemple, les Allemands ont inventé un genre qui s'appelait le Künstlerroman, c'est-à-dire le roman de l'artiste. Alors, il n'y avait pas que des musiciens, il y avait aussi des peintres qui étaient mis en scène dans ces romans, il y avait des danseurs, il y avait des artistes en tout genre, mais il y avait bien sûr des compositeurs. Et si l'on cherche la correspondance dans la littérature française de la même époque, hein, l'époque romantique, eh bien, on tombe évidemment sur un roman qui est un chef-d'œuvre de George Sand, Consuelo. Consuelo qui est l'histoire, un peu triste parfois, parfois très gaie aussi, l'histoire, la vie d'une cantatrice vénitienne qui porte ce nom de Consuelo. 在音乐和小说当中，各种类型的爱情和背叛都是老生常谈的话题。直到18世纪末，德国人创造了一种新的文学题材——艺术家成长小说，表现小说家或者艺术家在成长过程中认识到自己的艺术使命，并把握住他的艺术技巧的经历。这种艺术家小说包含所有类型的创作家，比如画家、雕刻家、舞蹈家，当然也包括音乐家。在法国，比如著名女作家乔治桑的空想社会主义小说代表作《康素艾罗》，这是一种长篇黑色小说。小说成功地塑造了女歌唱家康素艾罗历经漂泊、各种不幸的故事。Alors, Consuelo, c'est un personnage fictif, mais dans le cours de son histoire, elle va rencontrer de véritables musiciens, des musiciens qui sont enregistrés par l'histoire de la musique. Et vous avez peut-être reconnu à l'écran, par exemple, Nicola Porpora, qui est un grand maître napolitain qui vit, vous le voyez, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, et surtout Joseph Haydn, qui est un grand compositeur et qui va partager un certain nombre d'éléments de la vie de George Sand. Consuelo. Consuelo 是一个虚构的人物，当读者阅读的时候，当然也会受到故事的影响，和主人公一起分享他的人生经历，而故事的主人公的经历又和音乐史上的著名的作曲家和音乐大师的真实个人经历有相似的地方，比如说尼古拉·波尔波拉。小说里面，他教年轻的康素艾罗演唱技巧，但是这位音乐家本身也确实于1685年到1768年间住在那不勒斯。在某种程度上来说，小说中一直都是故事、历史、音乐之间的游戏。Alors, je vais vous lire un petit extrait pour vous montrer comment, à partir de références musicales véritables, eh bien, la musique va commencer à rentrer dans le texte, d'une façon assez discrète au début, mais vous allez voir. Donc, je lis cet extrait. Elle chanta le grand air de Yomeli dans l'opéra de Didon abandonné. Jamais elle n'avait mieux senti le besoin d'exhaler sa tristesse. Elle fut sublime de pathétique, de simplicité, de grandeur, et belle de visage, plus encore qu'elle ne l'avait été à l'église. Son teint s'était animé d'un peu de fièvre, ses yeux lançaient de sombres éclairs, ce n'était plus une sainte, c'était mieux encore, c'était une femme dévorée d'amour. Le comte, son ami Barberigo, Anzoletto, tous les auditeurs, et je crois le vieux Porpora lui-même, faillirent en perdre l'esprit. Cette citation, ce passage, si vous voulez, vous pouvez le lire comme ça, mais vous pouvez le lire aussi en écoutant la musique à laquelle fait allusion George Sand dans ce passage-là, c'est-à-dire l'opéra de Didon abandonné par Yomelli, dont je vous fais entendre un petit extrait, donc vous pouvez à la fois lire et en même temps écouter la vraie musique.
évidemment, vous avez vu que c'était un passage, je reviens à George Sand, c'était un passage où on insistait essentiellement sur les sentiments de la cantatrice et sur l'impression qu'elle produisait sur ses spectateurs. Mais la musique peut aller plus loin. Elle peut, notamment avec des auteurs, des écrivains qui sont aussi compositeurs, rentrer dans la subtilité du discours musical et de l'organisation musicale. C'est le cas notamment avec cet écrivain allemand, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, qui a écrit un grand nombre de contes. C'était un compositeur, c'était un écrivain, et il a évidemment donné une place toute particulière à la musique dans son œuvre. Je vais donner un exemple dans quelques instants, dès que notre traductrice aura donné la version chinoise de ce que je suis en train de raconter. Hoffmann. 乔治桑让我们了解到音乐人物和文学人物的第一缕联系，但是如果是作家兼作曲家的话，在他的小说当中，我们就会运用更丰富的音乐元素，比如说德国作家霍夫曼。这位作曲家精通音乐，因为他本身就是作曲家，在他的小说当中处处都洋溢着音乐的氛围。 Alors, je vais prendre un exemple avec un conte qui s'intitule Le violon de Crémone. Dans cette histoire, il s'agit d'un personnage un peu farfelu qui s'appelle le conseiller Crespel. Et le conseiller Crespel se fait construire une maison de façon tout à fait singulière puisqu'il demande au maçon de construire quatre murs complètement aveugles et un toit par-dessus. Et c'est quand il a terminé la construction de cette boîte, c'est une véritable boîte, eh bien, qu'il demande de percer ici ou là des ouvertures, des fenêtres ou des portes. Tout cela pourquoi ? Parce qu'il va enfermer dans cette boîte, il va enfermer sa fille Antonia, qui est une magnifique cantatrice, mais qui est atteinte d'une maladie terrible, puisque si elle chante, l'émotion risque de la tuer. Donc il veut l'empêcher de chanter au maximum, mais bien sûr, de temps en temps, Antonia va se laisser aller à chanter, et à ce moment-là, tous les auditeurs à l'extérieur vont entendre une musique tout à fait extraordinaire. 比如说在克雷蒙的小提琴这部作品当中，有一位性格怪癖的人物参议员Crespel为自己建造了一栋奇特的别墅，其实就是一个简单的箱子，四面墙一个屋顶，既没有门也没有窗户，只是做这个箱子的时候，他凿了一些洞一些口子，然后他把他的女儿安东尼亚，一位非常优秀的歌唱家关在了里面，因为安东尼亚感染了一种怪病。 如果他唱歌的话，由歌唱所产生的情绪就会让他毙命。我认为音乐在这部小说当中呈现，比起在康苏艾罗中更加的巧妙。故事情节主要是跟弦乐器的设计有关，因为在这个作为房子的奇特箱子里，安东尼亚就像小提琴的灵魂一样，那么就是一种牵一发动全身的关系。在这个箱子的小房间里，内部结构的每一次震动。 Et ainsi, Antonia va devenir ce qu'on appelle l'âme d'un violon. Cette caisse, cette maison, c'est un violon. Et Antonia, à l'intérieur, c'est comme cette petite pièce que vous voyez à l'écran, que le luthier est en train de mettre à l'intérieur du violon. Là, vous êtes à l'intérieur du violon. Et cette petite pièce cylindrique, c'est ce qui permet à aux vibrations de s'étendre à l'ensemble de la caisse. Eh bien, Antonia, c'est exactement l'âme d'un violon qui est la maison du conseiller Crespel. 我们可以看到安东尼亚就是这个小提琴的灵魂，这是小提琴的内部结构。然后大家可以读一下这部小说，在这个小小的箱子里，安东尼亚就是相当于小提琴的灵魂人物一样。 Je vais prendre un deuxième exemple chez Hoffmann qui a conçu, imaginé un compositeur et vous allez voir qu'avec ce compositeur, eh bien, on va retrouver le mouvement de va-et-vient que j'évoquais tout à l'heure, le mouvement de pendule. En effet, ce compositeur, c'est Kreisler, Johannes Kreisler et Johannes Kreisler apparaît dans un certain nombre d'œuvres de Hoffmann dont notamment les Kreisleriana et aussi le Chamour. Et dans le Chamour, eh bien, Hoffmann lui attribue l'une de ses œuvres les plus célèbres à l'époque, hein, les Cantiques de la Vierge, et donc, en quelque sorte, le personnage s'accapare l'œuvre de son créateur. Oh,
现在我们听到的是霍夫曼的作品《纯洁圣歌》。霍夫曼创造了，塑造了指挥家约翰·克莱斯勒这样的人物形象。在这部作品当中，克莱斯勒就是主要人物。这个人物他不仅出现在这部作品里面，还有在别的作品里，比如说《公猫摩尔》的人生观。正是由于这种对音乐的疯狂痴迷，作者着实呈现了这种流连于文学和音乐之间的关系。Alors, l'histoire ne s'arrête pas là parce que ce personnage de Chrysler, qui est un personnage un peu illuminé, un peu fou comme ça d'un côté, mais aussi capable de sentir toutes les nuances de la vie, de la pensée, de la musique, etc., eh bien, ce personnage va habiter la musique chez d'autres compositeurs que Hoffmann. Et en particulier, je vous ferai entendre dans un instant un tout petit extrait de la première Chrysleriana, c'est-à-dire une œuvre composée par Robert Schumann, en hommage à Hoffmann, mais aussi en hommage à ce musicien fou, Chrysler. Et après la traduction, vous ferez attention quand vous entendrez la musique, parce que vous sentirez très bien les deux grands moments de l'esprit de Chrysler, c'est-à-dire l'esprit complètement emporté, complètement romantique, hein, presque frénétique, à travers un certain nombre de jeux d'arpèges, comme ça. On a l'impression même que la musique balbutie. Vous verrez à un certain moment, l'impression que l'instrumentiste se trompe. En réalité, c'est écrit exactement comme cela. Et puis ensuite, une modulation. Et puis, on est tout à fait dans un autre univers, beaucoup plus méditatif, beaucoup plus secret et mystérieux. 好，故事继续。借用作家的音乐，克莱斯勒成为了其他作曲家音乐创作的主题。1838年，德国作曲家舒曼为了表示对霍夫曼的敬意，创作了著名的《克莱斯勒偶记》。在这部作品中，有趣的是，作家霍夫曼虚构的作曲家画面在什么情况下会回归于音乐？克莱斯勒至于霍夫曼，就像至于舒曼一样，是近乎疯癫的狂热浪漫的英雄人物，是不合群的反抗人物，也是能够敏锐感知于精神生活最细微差别的人物。然后让我们一起听一下接下来这两段节选的音乐，你们会发现最开始的音调都是重复一些新的。Mais ce n'est pas tout, puisque l'histoire va continuer, les compositeurs vont continuer à s'inspirer de Hoffmann et de Chrysler en particulier. Et il y a simplement 20 ans, un peu plus de 20 ans, eh bien, un compositeur tchèque, dont vous voyez le nom ici, Györgyi Kurták, a écrit un hommage à c'est-à-dire un hommage à Robert Schumann. Et le premier mouvement de cet hommage à Robert Schumann, eh bien, est consacré, vous le voyez, à Johannes Chrysler, et à ces curieuses pirouettes. Alors on a complètement changé d'esthétique, on a complètement changé d'époque, et il reste encore ces paradoxes, ces espèces d'antagonisme qu'on entendait dans la musique de Schumann, mais en plus, Chrysler est devenu un personnage un peu grotesque, une espèce de petit pantin qui sautille comme ça dans tous les sens. 这种文学回归音乐的运动并没有在舒曼这里停止。1990年，匈牙利作曲家乔治·库塔格创作了以克莱斯勒为主题的曲子，我们这里也有一段节选。但是我们要注意的时候，
我们要注意的是，时代改变了，审美也在改变。库莱斯勒不仅仅只是一个滑稽的人物，他不再是四处乱蹦的脱臼木偶。Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé de personnages. Hein. On a vu comment des personnages pouvaient passer de la littérature à la musique. Maintenant, je voudrais vous parler d'œuvres. Comment est-ce qu'une œuvre peut servir d'inspiration à un écrivain et comment ensuite une œuvre écrite peut redevenir ou devenir musique en inspirant à son tour un compositeur. Et donc, je vais vous proposer... d'abord de vous pencher sur un premier texte qui est la sonate à Kreutzer, texte musical et texte littéraire. 现在我们介绍的只是几个人物，这些人物都是从文学当中获得的灵感，然后创造成音乐。现在我们要来进到另外一个方面，就是音乐是如何从文学中获得灵感的。Alors, la sonate à Kreutzer, ça commence d'abord avec la musique.En 1802-1803, Ludwig van Beethoven écrit sa sonate à Kreutzer, qui est une sonate pour piano et violon. 80 ans plus tard, un peu plus même, puisque c'est en 1889, l'écrivain russe Léon Tolstoï écrit une nouvelle qui s'intitule La sonate à Kreutzer. Et dans cette nouvelle, eh bien, il montre comment peut monter la jalousie chez quelqu'un. C'est un mari qui a un jour, qui s'est rendu compte que sa femme allait peut-être le tromper, tout simplement à cause de la musique. Pourquoi ? Parce que, eh bien, elle s'est remise au piano et elle a accompagné un ami violoniste. Ils ont joué tous les deux la sonate de Kreutzer. Et dans un moment particulier de la sonate, que vous allez entendre après, eh bien, il a senti une complicité entre le violon et le piano. Mais bien sûr, au-delà de la complicité entre le violon et le piano, c'était une complicité entre sa femme et cet ami. Et donc la jalousie montant dans son esprit, il finira par tuer sa femme. Beaucoup plus tard, enfin quelques années plus tard, en 1923, le compositeur que vous voyez ici, encore un compositeur tchèque, Leo Janáček, va s'inspirer non pas de la musique de Beethoven, mais de la sonate à Kreutzer de Tolstoï pour écrire ce qui n'est pas une sonate du tout, qui est un quatuor en quatre mouvements, écrit selon les règles habituelles du quatuor, mais qui retrace tous les moments, tous les épisodes, toutes les sensations, toutes les impressions que suscite en lui le texte de Tolstoï. Et donc il va appeler cette œuvre qui n'est pas une sonate, il va l'appeler la sonate à Kreutzer. Ainsi, on est passé de la musique à la littérature et de la littérature à nouveau à la musique.首先，贝多芬于1802年到1803年间创作了第九小提琴奏鸣曲《克莱采》。1889年，托尔斯泰以此作为他的小说创作元素，也把小说命名为《克莱采奏鸣曲》。这位俄国作家向我们讲述了音乐是如何使得一位丈夫产生嫉妒之心的，因为他看到他的妻子终日以演奏钢琴与一位小提琴家为伴。贝多芬的作品制造了两位演奏家关系的复杂性，因为这位丈夫知道，由于这种和谐和旋律，他的妻子和小提琴家彼此深爱着，由于疯狂的嫉妒，最后导致他亲手杀死了他的妻子。1923年，捷克作曲家雷奥斯·雅纳切克创造了弦乐四重奏，不仅再次在音乐当中重现了小说中这对未来情人一起演奏贝多芬奏鸣曲的片段，也展示了托尔斯泰的小说。这个四重奏不是协奏曲，但是也取名为《克莱采奏鸣曲》。Alors, pour vous faire sentir un petit peu ces passages, je vais vous donner un extrait de chacune des œuvres et je vais commencer en fait par le texte. Pourquoi ? Parce qu'il vous permettra de comprendre comment Léon Tolstoï a entendu la sonate de Beethoven. Alors, il y a beaucoup de pages dans la sonate à Kreutzer
de Tolstoï qui parle de cette musique, mais j'ai choisi un tout petit extrait. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai commencé par cet extrait-là. En Chine, la musique est une chose d'État. Et c'est ainsi que cela doit être. Est-ce qu'on peut admettre que le premier venu hypnotise une ou plusieurs personnes et en fasse après ce qu'il veut, et surtout que l'hypnotiseur fut le premier individu immoral venu ? C'est un pouvoir effroyable dans les mains de n'importe qui. Par exemple, cette sonate à Kreutzer, le premier presto, il en existe beaucoup de semblables. Peut-on le jouer dans des salons au milieu de dames décolletées ou dans des concerts, finir le morceau, applaudir et puis commencer un autre morceau ? Ces choses-là, on peut les jouer seulement dans certaines circonstances importantes et dans des cas seulement où il faut provoquer certaines actions correspondant à cette musique. Mais provoquer une énergie de sentiment qui ne correspond ni au temps, ni à l'endroit, et ne se dépense en rien, ne peut pas ne pas agir dangereusement. Sur moi en particulier, ce morceau agit d'une façon effroyable. On dirait que de nouveaux sentiments, de nouvelles virtualités que j'ignorais auparavant s'ouvrent en moi. Ah oui, c'est comme ça. Pas du tout comme je vivais et je pensais auparavant. Voilà comme il faut vivre. 由于时间的关系，我们没有办法一字一句的翻译。大家可以通过李瑟先生读这一段话时的语气、停顿以及快慢节奏，感受音乐在文学作品当中的一种体现。Et donc maintenant, nous allons revenir à Beethoven. Et j'ai choisi un passage très particulier. Donc c'est le presto qui fait partie du premier mouvement de la sonate. Et j'ai choisi le moment où vous allez sentir la complicité s'établir entre le piano et le violon. C'est-à-dire que la deuxième reprise, eh bien, vous allez voir que le piano joue tout seul et est rattrapé comme ça par le violon, et ça donne cet effet comme ça de complicité qu'a très bien senti et Tolstoï et le personnage de Tolstoï. 这是一段著名的集板，是由贝多芬创造的。在这段音乐当中，大家可以感受到钢琴和小提琴之间的一种复杂的关系。Nous allons entendre un tout petit extrait de Janáček. Vous allez voir qu'on n'est plus du tout dans le même univers. Janáček a lu la sonate de Kreutzer comme une œuvre russe et il donne à sa musique un côté slave qui n'existait absolument pas chez Beethoven. 这是雷奥斯·亚纳切克的克莱采协奏曲的第二乐章的一段节选。大家可以听到这段音乐就和之前我们听到的音乐是完全不同的风格了。Alors, parlant des œuvres fictives qui deviennent un jour de la musique, comme Tolstoï qui inspire Janáček, évidemment, je devrais parler de Proust. J'avais prévu de le faire, mais comme on est un petit peu pris par le temps, donc je ne parlerai pas de Proust, mais je vous renvoie quand même à la fameuse sonate de Vinteuil qui traverse toute la recherche de Proust et qui apparaît en particulier, vous le voyez, dans Un amour de Swann, la deuxième partie de Du côté de chez Swann, et qui est une description tout à fait extraordinaire, qui deviendra, mais très tardivement, à la faveur d'un film, qui deviendra une œuvre tout à fait réelle. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler après. 还有别的例子，这里我要举的例子是最著名的《万德野协奏曲》，在普鲁斯的作品当中扮演非常重要的角色，尤其是斯万的情人在斯万家那边的第二部分。Et donc, plutôt que de vous parler de ce texte quand même qui est très connu, j'ai choisi
pour mon deuxième exemple, de vous parler d'un auteur que vous connaissez peut-être un petit peu moins, qui est un grand écrivain français du XXe siècle, Julien Gracq, qui en 1938 publie un roman tout à fait extraordinaire au château d'Argol. Et dans ce roman, au château d'Argol, eh bien, vous avez un chapitre entier qui s'intitule « La chapelle des abîmes ». C'est une série de pages tout à fait extraordinaire où la musique est présente avec une intensité remarquable. Ça commence par une promenade, tout simplement. Le personnage central, Albert, se promène dans une forêt. Mais sa façon de vivre la forêt est une façon tout à fait musicale, déjà. Et puis ensuite, de l'autre côté du fleuve, apparaît son ami Herminien, qui est un musicien. Donc Herminien va se mettre à lui faire des gestes, et la façon qu'il a d'apparaître le fait ressembler à un luth. Donc vous voyez que le personnage lui-même se transforme en musique. Et puis enfin, les deux héros pénètrent dans la chapelle des abîmes, et à ce moment-là, Herminien va se mettre à jouer de l'orgue, et ce sera la page que je vous lirai dans un instant. 就像刚刚举的虚构音乐文学作品成为现实音乐的例子，我再举一个可能不太出名的文学和音乐相结合的例子。1938年，朱利安·格拉克发表了《阿尔戈古堡》，其中的一章被命名为《深渊的小教堂》。在漫步森林的时刻，突然阿尔弥安出现了。我们之后会听到这位音乐家的即兴创作。在作品中，他出场的时候，人物全部都音乐化了，他手臂的动作就像演奏诗琴一样。很快，男主人公阿尔贝和艾尔米安潜入到一个小教堂，艾尔米安就开始演奏管风琴了。这一段就是格拉克描写这一段场景的节选。Le jeu d'Herminien était empreint d'une force singulière, et telle était sa puissance d'expression qu'Albert put deviner, comme s'il avait lu au plus profond de son âme, les thèmes qui se succédèrent dans cette sauvage improvisation. Il lui sembla d'abord qu'Herminien, par des touches dissonantes et incertaines, coupées de retours et de replis, où le motif principal était repris dans un mode plus timide et comme interrogatif, ne fit autre chose que prendre la mesure du volume même et de la capacité sonore de ce troublant édifice. Alors, se déchaînèrent des ondes violentes comme la forêt et libres comme les vents de l'altitude, et l'orage qu'Albert avait contemplé avec un sentiment d'horreur du haut des terrasses du château éclata du fond de ces mystiques abîmes, au-dessus desquels des sons d'une pureté cristalline, égrenés en un surprenant et hésitant décrescendo, flottèrent comme une buée sonore traversée par des éclats jaunes du soleil. Alors, je vais vous faire entendre maintenant la musique qui a été créée à partir de cette page. En 1973, Jean Guillou, un organiste, tellement porté par le texte de Gracq, va écrire à son tour une pièce qu'il intitulera « La chapelle des abîmes ». Vous allez l'entendre dans un instant, mais je voudrais que vous soyez attentifs. Vous vous souvenez que Gracq décrivait l'attitude d'Herminien comme une attitude hésitante au début, hein, c'est-à-dire qu'il plaque des accords qui sont très dissonants, très violents, mais avec une touche d'hésitation parce qu'il veut prendre la mesure de l'ensemble de l'espace. Eh bien, je crois que c'est exactement dans les quelques mesures que vous allez entendre de Guillou, eh bien, c'est exactement ça. On a l'impression que l'organisme se brûle au début lorsqu'il touche l'orgue.到这一段管风琴演奏者让·吉欧创作的一段让人印象深刻的管风琴乐曲，也命名的为《深渊的小教堂》。Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé de personnages et je vous ai parlé d'œuvres.
Il y a une autre façon de penser le rapport entre la littérature et la musique, c'est la question de la forme. En effet, lorsqu'un romancier se met à sa table de travail, il va penser des personnages, il va penser une intrigue, mais il ne pense pas automatiquement à une forme. Je crois que la musique l'oblige à penser à une forme, parce qu'un compositeur, lorsqu'il se met de la même façon à sa table de travail, à son piano, aujourd'hui à son ordinateur, eh bien, il commence par imaginer, à travers les thèmes qu'il a peut-être déjà médités, eh bien, il commence à imaginer une forme. En musique, on utilise des formes vides, hein, des formes qui préexistent et qu'on va remplir avec de la musique. Eh bien, je voudrais qu'on passe maintenant à ce deuxième aspect important, je crois, des rapports entre littérature et musique, à partir d'un exemple, c'est celui de Nancy Houston, qui écrit Les variations Goldberg. Alors, c'est écrit directement en français, hein, même si le nom de Nancy Houston est américain. Et cette œuvre, ce roman, est directement construit à partir des variations Goldberg de Bach. C'est-à-dire que Nancy Houston a calqué la forme de cette œuvre pour construire son roman. Alors, comment fait-elle ? Eh bien, l'œuvre de Bach est composée de la façon suivante. On a d'abord une aria qui présente le thème. Ensuite, on a 30 variations et on termine par l'aria. Nancy Houston va imaginer le scénario suivant. Vous avez une claveciniste qui invite tous ses amis, enfin une trentaine d'amis, à l'écouter jouer les variations Goldberg. Donc au début, ce qui correspond à l'aria, eh bien, cette claveciniste s'appelle Liliane, eh bien, ce sont les pensées de Liliane pendant qu'elle joue, hein, son rapport à la musique, son rapport à tout un tas de choses, et on retrouvera à la fin à nouveau Liliane et ses pensées. Et puis ensuite, correspondant aux variations, eh bien, on a les pensées pendant le concert, les pensées de tous les invités, il y en a 30, donc ça correspond aux 30 variations. La petite différence, c'est que ces pensées, en fait, c'est telles que Liliane se les imagine. Donc il y a toujours un fil conducteur qui va du début jusqu'à la fin, exactement comme chez Bach, vous avez ce fil conducteur. 无论是人物还是作品，我刚刚前面提到的音乐和文学之间的这种往返的运动，这是非常显而易见的。但是我们却很少关注形式的问题。一部音乐作品或者是作曲家使用的一种特殊的形式，是如何为小说叙述构造的基础服务的。比如说，在巴赫的《哥德堡变奏曲》中，给了作家南希·于斯顿以灵感写了一部同样名字的小说。 在这部小说里面，一位羽管键琴弹奏者邀请他的30位朋友来一起听哥德堡变奏曲的演奏。巴赫的作品是由主题构成的，使用壮丽的咏叹调，然后是30次的变奏，最后再来一次咏叹调。那么在于斯顿的这部作品当中，他写了32章，开头和结尾羽管键琴演奏家莉莉亚娜跟我们讲述了她自己的想法，中间的30章就相当于巴赫的30次变奏。在这个过程当中，作者想象着这些客人们在听这一次演奏的反应。 J'en viens à vous expliquer très rapidement comment j'ai écrit ce roman là qui lui vient de paraître, Insert en automne, parce que précisément ce roman est inspiré et même construit à partir de modèles musicaux. Donc je vais vous donner quelques exemples, mais je ne vous dirai pas tout. Vous le verrez sans doute en lisant le roman. Alors, ce roman est écrit selon une forme bien particulière qu'on appelle la forme arche. 现在我给大家讲述我是如何创作这部小说的。在我即将出版的这本小说《秋日雄鹿》当中，我尝试使用以前就存在的一种比较特殊的音乐形式——拱桥形。 Alors, qu'est-ce que c'est que la forme arche ? Vous allez voir, c'est très simple. C'est une forme qui est utilisée par les compositeurs du XXe siècle essentiellement. C'est ce que les littéraires appelleraient un chiasme. Donc, on commence par une forme A. Donc, une partie A qui est suivie immédiatement d'une partie B, je suis désolé d'avoir à faire le va-et-vient comme ça, c'est mon histoire de pendule qui me retombe dessus. Bon, et ensuite, évidemment, vous avez compris qu'il y aura une partie C, mais c'est là que les choses deviennent véritablement intéressantes du point de vue musical, puisque on va inverser le système, on va retrouver une partie B, et on terminera par une partie A.
Donc voilà comment ça fonctionne et voilà pourquoi on appelle ça une forme en arche. Et cette forme, elle a surtout été utilisée par Béla Bartók dans un certain nombre de quatuor à cordes, mais surtout dans ses œuvres principales, dans des concertos et notamment dans le splendide concerto pour orchestre. Et puis, parallèlement, cette forme, elle a été utilisée par un compositeur que j'aime beaucoup personnellement, qui est Samuel Barber, et qui a écrit un adagio pour cordes selon cette forme arche. Et vous allez voir que ce sont ces deux références musicales, en fait, avec la forme arche, qui m'ont porté dans l'écriture du roman. Mais on écoute un petit passage de l'adagio pour cordes. 拱桥形是20世纪非常常用的一种形式，它类似于文学上说的那种交错配列法，通常由第一个部分或者说第一个主题 A 开始，接着是第二部分或者说第二主题 B， 然后之后是 C， 之后我们会继续回到 B， 最后我们回到 A 部分。那么匈牙利作曲家贝拉巴托克创作了很多的作品，包括四重奏和协奏曲。我个人比较喜欢的是巴伯，他在1938年写了一部柔板长号和管弦乐队。现在我们大家来听一段节选。Oui, pardon, c'est l'émotion parce que j'aime beaucoup cet adagio. Donc, le roman est construit exactement de la même façon, selon cette forme arche. Il y a 5 chapitres, hein, tout simplement. Dans le premier chapitre, on apprend le début de l'histoire d'un vieux compositeur, Athanasius Perle, un compositeur imaginaire, qui est à la fin de sa vie et qui revient d'un concert qui a été particulièrement réussi. Et au petit matin, il est en voiture, et au petit matin, il arrive chez lui, il habite à côté d'une forêt, et il entend, il voit un cerf qui lance son chant d'amour en direction de la forêt, hein, qui lance son brame. Et cette scène le saisit, il s'arrête, il descend de sa voiture et il commence à noter la musique du cerf bien sûr, mais la musique qu'il entend autour de lui, celle de la nature, des oiseaux, des feuilles qui sont agitées par le vent dans les arbres, etc. etc. Et ceci va devenir son adagio, un adagio pour trombone, un petit peu comme, il est très différent, parce que vous l'entendrez, un peu comme Barber a écrit son adagio. Et cet adagio va lui rappeler un moment à la fois exquis et en même temps terrible de son existence, le moment où, il y a une quinzaine d'années, il a rencontré sa femme, une Irlandaise, il avait alors 50 ans, et malheureusement, cette Irlandaise, quelques années plus tard, ils se sont mariés, quelques années plus tard, elle est morte dans un accident. Et donc la musique va lui permettre de retrouver les souvenirs de cette femme, de ces moments merveilleux et puis aussi des moments dramatiques lorsqu'il l'a perdue. 在小说《秋日雄鹿》当中，我运用了同样的形式。整部小说包括5个章节，使用的就是拱桥形式。第一位出现的是阿塔纳修斯，他是一位20世纪末日渐衰老的作曲家。这位作曲家他住在森林附近，一天早上他从音乐会上回来，然后他听到雄鹿发情期的嚎叫，这是一种爱情的歌声，而且这个歌声是面向森林的。他立刻停车记录他所听到的音乐，里面有风声、鸟声、叶子的声音，于是他创作了柔板长号，这是一种协奏曲，就像巴托克的协奏曲一样，但是和巴伯一样，它只有单一的柔板形式。在这一段比较特别，因为这一段让阿塔纳修斯想起了他的妻子，他在50多岁的时候遇到他的妻子爱尔兰人凯瑟琳，
但是很不幸，他的妻子几年前在一场悲剧中丧命。这一段音乐让他勾起了他对他妻子的美好回忆。Donc ça c'est l'histoire A, si vous voulez, qu'on va trouver au début et à la fin du roman. Ensuite, l'histoire B, c'est l'histoire de Mathieu Savard. On se retrouve au début du XVIIIe siècle avec un personnage complètement différent qui est un arpenteur du roi et qui est en train d'étudier, de mesurer la même forêt que celle à côté de laquelle vit Athanasius. Et donc, ce personnage se trouve, pour des raisons que vous découvrirez, eh bien, se trouve assujetti en procès. Donc, c'est son procès devant la justice qui est raconté dans les parties 2 et 4. Donc, vous voyez qu'ils seront très différentes dans le type d'écriture des parties 1 et 5. 这个故事是出现出刚刚讲的故事是出现在 A 部分，同时也会出现在最后一个部分的故事。那么第二部分 B 部分这一章把我们带回到了十八世纪初马修萨瓦尔诉讼案。马修他是负责森林地区的土地丈量员。三个世纪之后，在同样的一片森林里面，阿塔纳修斯遇到了这只高大的雄鹿，因为马修他曾经被怀疑与几起谋杀案有关。同样在D 部分我们也会讲到这个故事，但是讲述的方式是不一样的。 Et la partie centrale est occupée par un dieu qui est assez peu connu, un dieu de la tradition celte, le dieu Cernunnos, dont je vous dirai un tout petit peu plus tout à l'heure. Et en fait, eh bien, cette construction va permettre petit à petit, en faisant avancer l'intrigue, eh bien, de voir à la fin pourquoi ces trois personnages et comment ces trois personnages très différents sont liés finalement à la même histoire.En profondeur. 现在，接下来是第三章，也就是 C 部分。这一部分更加简洁明了一些。这一部分里面，古老的一个神明塞尔纽斯诺出场了。这样形式就开始重叠了。之后，我们在第四部分 D 部分又回到马修时代，最后一个 E 部分我们又回到阿塔纳时代。这样我们就会明白这三个人之间的复杂的关系。Alors, vous avez vu tout à l'heure que la forme arche était utilisée par les compositeurs pour écrire des adagios. C'est l'adagio pour trombone qu'écrit Athanasius, mais aussi pour écrire des concertos. Et donc le roman est écrit aussi sur le modèle du concerto, c'est-à-dire qu'on a un soliste qui s'oppose à différentes masses de musiciens. Dans le premier cas, Athanasius s'exprime, monologue, mais avec un personnage qu'on ne découvrira qu'à la fin. Hein, donc il l'interpelle simplement, jeune homme, etc. Hein, mais on ne le voit pas, on n'a pas de description, c'est pas du tout qui c'est au début. Dans la deuxième partie, on a un véritable concerto, c'est-à-dire que Mathieu Savard est à son procès, il y a les juges qui parlent, il y a les témoins qui parlent, et c'est un récit qui est raconté à la troisième personne. Donc il y a véritablement une opposition traditionnelle du concerto entre ce qu'on appelle le tutti, c'est-à-dire tous les instrumentistes, et le soliste. Et enfin, dans la dernière section, la section C, A, B, C, A, B, A, eh bien, c'est Cernunnos, ce dieu, qui cette fois monologue, il est absolument seul, c'est un solo au sens non plus de concerto, mais au sens où on écrit une pièce pour un instrument seul.拱桥形式它并不是来源于音乐语言的唯一元素，这部作品它是一部协奏曲，因此呢我需要一些独唱者，而三个人物参与了这一场协奏曲。首先是 A 部分，阿塔纳修斯他以第一人称出现，他与一位青年人对话，这位年轻人是我们在小说的结尾部分会读到的。第二部分 B 部分，马修他以第三人称出现，这一部分是对正义的一种审问，所以他的语言篇幅比较大，就成为了一名独唱者。在 C 部分，神明塞尔纽洛斯将采用的是第一人称的独白形式。以下是节选于这三位独唱者的三段台词。Alors, je voudrais vous faire entendre la voix de ces trois solistes, de ces trois instruments, parce que je pense, enfin j'espère en tout cas, que ces voix sont différentes. Donc, on va commencer par Athanasius, le compositeur, c'est le début du roman.接下来我们会听到三种不同乐器的演奏。Mon adagio pour trombone et orchestre, dites-vous? C'est à l'instant de traverser la forêt de B que l'idée m'en est venue. Je regagnais la maison après une brillante soirée de concert. L'Orchestre national de la Cine avait créé ma troisième symphonie pour cordes avec une force et une précision remarquables. Et comme d'habitude,
Les festivités associées à ce genre d'événement s'étaient prolongées jusque tard dans la nuit. J'avais quitté le théâtre vers 1h du matin, en compagnie du chef d'orchestre et du premier violon. Notre amitié datait de nos années d'études. Il était impossible de nous séparer tout de suite. Aussi, nous étions-nous accordés un délai supplémentaire afin de manger un morceau chez Maxence au restaurant des Arts. 因为时间的关系，他这边的节选也比较多。如果我们一字一句翻译的话，可能时间不够，所以大家就通过他语言和情感的表达来感受一下不同的情绪。Deuxième soliste, Mathieu Savard. Donc c'est un récit à la troisième personne où prend la parole de façon majoritaire ce petit personnage timide d'arpenteur. Intimidé, le petit homme commence à regretter de ne pas avoir demandé l'aide d'un avocat. Il se met à tourner nerveusement son bonnet entre ses doigts. Il cherche ses mots, se retient de parler comme honteux de lui-même. Puis soudain, le voilà qui paraît se détendre. Il fixe les trois juges de son regard clair avant de commencer son récit le plus naturellement du monde. Je m'appelle Mathieu Savard. Je suis arpenteur royal. J'exerce cet emploi depuis le 17 septembre de l'an de grâce 1696. Et durant tout ce temps, je n'ai fait que servir mon Dieu, mon roi et ses ministres. Le président du tribunal fait une légère grimace avant de pointer du doigt la pile de documents déposés devant lui. Et enfin, troisième soliste, le dieu Kernounos. Certains m'appellent Kernounos, mais pour la plupart, je n'ai pas de nom. Lorsque nos parents ont partagé leurs biens, ils m'ont donné la lumière à Luke, mon plus jeune frère. Et c'est moi qui ai reçu l'ombre en héritage. Taranis le cadet s'est vu attribuer le tonnerre, les vents et même les oiseaux. En un mot, toute la musique des airs. Moi, je n'ai eu que le silence. Et c'est peu dire que ce silence me pèse. Epona, ma sœur, a obtenu l'espace du matin lorsque le soleil se lève et qu'il faut l'aider à conquérir la terre. On m'a confié le mystère des profondeurs et les secrets de la nuit. 刚刚利索教授读的这一段是在 C 部分神明塞尔纽诺斯他的一段独白。Voilà, et je termine avec Kernounos. Vous voyez pourquoi j'ai choisi ce dieu? Tout simplement parce que c'est un dieu cerf. Vous le voyez ici sur un chaudron du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Kernounos est cette divinité qu'on représente avec des cornes de cerf et en compagnie d'un cerf. Mais vous avez peut-être remarqué que quand il commence son monologue, eh bien, il dit « Certains m'appellent Kernounos, mais pour la plupart, je n'ai pas de nom ». Eh bien, ça, c'est la vérité. 最后，第三位独唱者塞尔纽诺斯那位神明，他也是因为来源于这一动机，跟之前讲的那个原因一样，因为这是一位长着巨大鹿角的神。大家可以看一下这上面这一幅古代的浮雕，能够注意到在《秋日雄鹿》当中，人物开场说的独白那一句话是：“一些人叫我塞尔纽诺斯。”但是对于大多数人而言，我没有名字。En effet, le nom de Kernounos n'apparaît presque nulle part. Hein, on voit des représentations comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais autrement, on ne voit pas le nom gravé. Et évidemment, dans les mémoires de César ou dans les textes latins, ce nom n'apparaît jamais. Le seul endroit où ça apparaît, c'est dans le plus ancien monument de Paris, ce qu'on appelle le pilier des Nôtes, qui a été édifié à l'époque de l'empereur Tibère. L'empereur Tibère, c'était celui qui régnait à l'époque où le Christ est né. Il est mort, l'empereur Tibère, en 37 après Jésus-Christ. Et sur le pilier des Nôtes, on devine le nom de Kernounos. 事实上，这位神明的名字鲜为人知。我们只知道一句碑文刻在诺特柱上。这个柱子是巴黎最古老的建筑之一。这个圆柱，大家可以看到这个圆柱上这个人的脸角刻着他的全名，但是字母有一半已经磨损，所以我们看到的是推测他的名字叫塞尔纽诺斯 Cernunnos。 Voilà, ce sont simplement quelques exemples de la façon que la musique a eu de nourrir d'abord la littérature et puis de nourrir ce petit roman. Il y aurait bien d'autres choses à dire, mais le temps est venu de conclure. Et je vais conclure avec la musique, puisque je vous ai promis qu'il fallait retourner à la musique après la littérature. Eh bien, j'ai envoyé mon roman chez mon éditeur en décembre 2012. Et en janvier 2013, je me sentais un petit peu vide comme ça. J'avais besoin d'écrire quelque chose d'autre. Et ce que j'ai écrit, c'est l'adagio pour trombone
d'Athanasius Perle, c'est-à-dire que j'ai volé à mon personnage, j'ai fait l'inverse de ce qu'a fait Hoffmann. Lui, il a donné à son personnage les cantiques de la Vierge, et bien moi j'ai volé à mon personnage l'adagio pour trombone. 当然还有别的原因用来解释秋日雄鹿中音乐元素出现的原因，但是由于时间原因我不能一一解释。刚刚我跟大家说到，从音乐当中获得灵感的文学也能够回到音乐当中去。最后我再补充一句，在2012年12月份的时候，我完成这部小说并且把它寄给了出版商。今年1月份我写了第一章开始时阿塔纳修斯唱的柔版，当然这段形式是以拱桥式的形式谱写的，就像小说的结构一样。下面我们要听一段音乐节选。谢谢您的关注。